Bonjour, bienvenue à la Christodictée 2020. Vous étiez 185 l'an dernier à avoir participé à la Christodictée qui s'était réalisée en physique, en présentiel. Cette année, due au virus, nous faisons cette Christodictée à distance car nous souhaitons la maintenir année après année à cette époque de la Toussaint. Et nous espérons que vous passerez un bon moment ensemble avec nous. Cette Christodictée vous est proposée par nos trois associations, Filles et Fils de la République, l'association Parents et le CEL de Créteil Écoutant. Fils et Filles de la République est une association christolienne qui a 15 ans d'existence. Elle utilise l'art sous toutes ses formes pour parler citoyenneté et engagement. Elle est également impliquée dans la lutte contre le racisme et la discrimination et à son actif, en particulier, il y a la troupe de théâtre Kaina et compagnie qui organise un festival de théâtre engagé et de nombreuses autres activités culturelles. L'association Parents, ça veut dire parents actifs, représentants d'élèves et interculturels, œuvre dans les établissements scolaires pour la réussite éducative, faire le lien entre les parents d'élèves et les instances scolaires, et aussi elle œuvre dans les quartiers populaires pour créer du lien intergénérationnel, citoyen, social et culturel. Le CEL, Système d'échange local de Créteil et Écoutant, est un réseau d'échange, d'amitié et de solidarité entre les habitants de Créteil et des communes environnantes. Ces trois associations participent ensemble depuis plusieurs années à un collectif pour mener des actions comme le Festival du Livre Jeunesse, la fabrication au cours du printemps 2020 de près de 10 000 masques en tissu réutilisables qui ont été ensuite distribués gratuitement à la population et d'autres événements festifs, notamment la Christodictée qui a lieu aujourd'hui. Et je laisse la parole à Sally. Bonjour à toutes, tous, les enfants, les ados, les jeunes, les parents, les grands-parents. Je suis ravie de vous retrouver encore cette année, même si c'est en distanciel, pour cette seconde dictée. Donc, j'ai ce plaisir de pouvoir, malheureusement, je ne vous verrai pas, mais vous pourrez. Je voudrais vous rappeler que cette dictée est évolutive. Il y a donc trois niveaux. Le premier niveau s'adresse aux enfants de 9 à 11 ans. Et donc, lorsque j'aurai dicté le premier paragraphe, je dirai aux enfants d'arrêter. Ensuite, je continuerai et au second paragraphe, les jeunes, les ados de 12 à 17 ans pourront arrêter la dictée et bien évidemment les plus jeunes, les jeunes adultes, les adultes devront bien évidemment continuer la dictée jusqu'à la fin. Voilà, dans cette dictée il va y avoir quatre noms propres que je vais vous mettre au tableau. Donc vous avez à la fois le nom de Philippe, même si vous savez l'écrire, je vous le donne, Philippe. Vous avez Vinca, V-I-N-C-A, Lisette. Et le dernier, c'est Colette. Je rappelle que, puisque ces mots vous ont été donnés, si vous faites une erreur d'orthographe, eh bien, elle compte. Et je voudrais rassurer les enfants, vous allez peut-être rencontrer des termes que vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas.
Le conseil que l'on donne, pas seulement aux enfants, mais à tout le monde, c'est d'écrire le mot comme vous l'entendez, c'est-à-dire, entre guillemets, écrivez-le comme vous l'entendez prononcer. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos feuilles, vos crayons. Il vaut mieux en avoir deux, on ne sait jamais si le bic tombe en panne, si le crayon noir, le crayon papier se casse. Donc, à partir de 3, je vais démarrer la dictée. Attention, on respire, on expire, et c'est parti. Je vais d'abord vous lire la dictée en son entier. Ensuite, je reprendrai paragraphe par paragraphe, paragraphe par paragraphe, et je dirai aux enfants ou aux collégiens donc de s'arrêter pour poursuivre. J'irai certes lentement pour le premier paragraphe puisqu'il s'adresse aux enfants, mais j'accélérerai bien évidemment la dictée pour être au niveau de toutes et de tous. Allez, bon courage, c'est parti. Une pluie légère, pendant quelques heures de nuit, avait vaporisé les sauges, vernissé les troènes, les feuilles immobiles du magnolia et emperlé sans les crever les gazes protectrices dont s'enveloppait, dans un pin, le nid des chenilles processionnaires. Le vent laissait en repos la mer, mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, chargée de souvenirs de l'an passé, qui parlait sourdement de marrons grillés et de pommes mûres. Ça, c'était la partie pour les enfants. À son instigation, Philippe revêtit en se levant un chandail bleu sombre sous sa veste de toile. Déjeuna le dernier, comme il lui arrivait souvent, depuis que son sommeil, moins pur et moins tranquille, commençait plus tard dans la nuit. Il courut, quêtant Vinca, comme il eût cherché, en dépassant l'ombre d'un mur, une terrasse lumineuse. Mais il ne la trouva ni dans le hall, où l'humidité ranimait l'odeur de boiseries vernies et de toiles de chambre, ni sur la terrasse. Ça, c'est la partie adolescent. Une fumée de pluie impalpable encensait l'air et adhérait à la peau sans la mouiller. Une feuille de tremble, jaune, détachée, se balança un moment devant Philippe avec une grâce intentionnelle, puis chavira et tomba roide, accrue, soudain d'un poids invisible. Il tendit l'oreille, entendit dans la cuisine le bruit hivernal du charbon versé dans le fourneau. Dans une chambre, Lisette protesta d'une voix aiguë, puis pleura un moment. Point final. On est prêt? C'est parti. Une pluie légère, une pluie légère, une pluie légère pendant quelques heures, pendant quelques heures de nuit, pendant quelques heures de nuit, virgule, une pluie légère, virgule, pendant quelques heures de nuit, virgule, avait vaporisé les sauges, virgule, avait vaporisé les sauges, virgule, vernissait les troènes,
vernissez, vernissez les troènes, virgule. Une pluie légère, pendant quelques heures de nuit, avait vaporisé les sauges, vernissé les troènes, virgule. Les feuilles, immobiles, les feuilles immobiles du magnolia, les feuilles immobiles du magnolia, virgule, et emperlées, sans les crever, et emperlées, sans les crever, les gaz, protectrices, et emperlées, sans les crever, les gaz protectrices, dont s'enveloppait, virgule, dans un pain, virgule, le nid, des chenilles, le nid des chenilles, sans les crever, les gaz protectrices dont s'enveloppait dans un pain, le nid des chenilles, processionnaire, le nid des chenille processionnaire. Point. Le vent laissait en repos, le vent laissait en repos la mer, virgule. Le vent laissait en repos la mer, virgule. Mais chantait sous les portes avec une voix faible, avec une voix faible, avec une voix faible et tentatrice, virgule. Mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, virgule, chargée de souvenirs de l'an passé, chargée de souvenirs de l'an passé, virgule, de l'an passé, virgule, qui parlait sourdement, qui parlait sourdement de marron grillé, qui parlait sourdement de marron grillé,
marron, grillé, de marrons grillés et de pommes mûres, marron, grillé et de pommes mûres, point de suspension. Voilà, pour les enfants, c'est terminé. Je vais reprendre tout le paragraphe. Je vais vous le relire lentement. Et ensuite, je passerai au second paragraphe. Et les enfants pourront partir et peut-être faire de l'autocorrection avant d'avoir la correction directement. Je reprends. Une pluie légère, virgule, pendant quelques heures de nuit, virgule, avait vaporisé les sauges, virgule, vernissé les troènes, virgule, les feuilles immobiles du magnolia, virgule, et emperler sans les crever les gaz protectrices dont s'enveloppait, virgule, dans un pain, virgule, le nid des chenilles processionnaires, point. Le vent laissait en repos la mer, virgule, mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, virgule, chargée de souvenirs de l'an passé, virgule, qui parlait sourdement de marrons grillés et de pommes mûres, point de suspension. Je passe au second paragraphe. Attention, c'est parti. À son instigation, virgule. À son instigation, virgule. Philippe. Revêtit. Philippe. Revêtit. En se levant, revêtit en se levant, à son instigation, virgule. Philippe revêtit en se levant un chandail bleu, un chandail bleu. Un chandail bleu sombre, sombre. Un chandail bleu sombre sous sa veste de toile, virgule. En se levant, un chandail bleu sombre sous sa veste de toile, virgule. Déjeuna le dernier, virgule. Déjeuna le dernier, virgule. Comme il lui arrivait souvent, comme il lui arrivait souvent, depuis que son sommeil, virgule, depuis que son sommeil, virgule, moins pur et moins tranquille. Je reprends. Moins pur et moins tranquille, virgule. Commençait plus tard dans la nuit. Commençait plus tard dans la nuit, commençait plus tard dans la
nuit. Point. Il courut, virgule. Il courut, virgule. Quétant, vinca. Quétant, vinca, virgule. Comme il eut cherché, comme il eut cherché, il courut, virgule, quétant vinca, virgule, comme il eut cherché, virgule, en dépassant l'ombre d'un mur, en dépassant l'ombre d'un mur. En dépassant l'ombre d'un mur, virgule, une terrasse lumineuse. Une terrasse lumineuse. En dépassant l'ombre d'un mur, virgule, une terrasse lumineuse, point. Mais il ne la trouva, mais il ne la trouva, mais il ne la trouva ni dans le hall, ni dans le hall, virgule, ni dans le hall, virgule, où l'humidité ranimait, où l'humidité ranimait, où l'humidité ranimait l'odeur de boiserie, l'odeur de boiserie. Où l'humidité ranimait l'odeur de boiserie vernie, l'odeur de boiserie vernie et de toile de chanvre et de toile et de toile et de toile de chanvre, virgule, ni sur la terrasse, point, ni sur la terrasse, point. C'est là que s'arrête le deuxième niveau, donc vous pouvez partir et de même, vous pouvez commencer à vous auto-corriger. Et j'entame la troisième partie. Ceci étant, si les jeunes, vous voulez rester pour faire la troisième partie, au contraire, ce serait même très bien. Vous êtes prêts pour la troisième partie? On y va. Une fumée de pluie impalpable. Je reprends. Une fumée de pluie. Une fumée de pluie impalpable encensait l'air. Une fumée de pluie impalpable encensait l'air et adhérait à la peau et adhérait à la peau sans la mouiller, et adhérait à la peau sans la mouiller. Point. Une feuille de tremble, virgule. Une feuille de tremble, virgule. Une feuille de tremble, virgule. Jaune, virgule. Jaune. Virgule, détaché,
virgule, détaché, virgule, se balança un moment, se balança un moment devant Philippe. Une feuille de tremble jaune détachée se balança un moment devant Philippe. Avec une grâce intentionnelle, avec une grâce, avec une grâce intentionnelle, virgule, puis chavira, et tomba roide, et tomba roide, virgule, puis chavira et tomba roide, virgule, accru soudain, d'un poids invisible, point. Il tendit l'oreille, virgule, entendit dans la cuisine, le bruit hivernal du charbon. Entendit dans la cuisine le bruit hivernal du charbon versé dans le fourneau. Je reprends à partir de une feuille de tremble. Une feuille de tremble, virgule, jaune, virgule, détachée, virgule, se balança un moment devant Philippe avec une grâce intentionnelle, virgule, puis chavira et tomba roide, virgule, accru soudain d'un poids invisible. Il tendit l'oreille, virgule, entendit dans la cuisine le bruit hivernal du charbon versé dans le fourneau, Dans une chambre, Lisette protesta d'une voix aiguë. Virgule, puis pleura un moment. Lisette protesta d'une voix aiguë, virgule, puis pleura un moment.
Le texte est tiré, et vous le notez à la suite. Le blé en herbe, le blé en herbe, et l'auteur, c'est noté au tableau, c'est Colette. Le blé en herbe de Colette. Je reprends toute la dictée. Donc, s'il vous plaît, à vos crayons, c'est reparti. Donc, n'oubliez pas d'ajouter les mots qui vous manquent, de réfléchir sur la concordance des temps. Les pluriels, là, ils doivent se mettre. Faire attention, posez-vous toutes les questions qu'il vous faut. Attention, on y va. Une pluie légère, virgule, pendant quelques heures de nuit, virgule, avait vaporisé les sauges, virgule, vernissé les troènes, virgule. Les feuilles immobiles du magnolia, virgule, et emperlées, sans les crever, les gazes protectrices dont s'enveloppait, virgule, dans un pin, virgule, le nid des chenilles processionnaires, point. Le vent laissait en repos la mer, virgule, mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, virgule, chargée de souvenirs de l'an passé, virgule, qui parlait sourdement de marrons grillés et de pommes mûres, point de suspension. À son instigation, virgule, Philippe revêtit en se levant un chandail bleu sombre sous sa veste de toile, virgule, déjeuna le dernier, virgule, comme il lui arrivait souvent depuis que son sommeil, virgule, moins pur et moins tranquille, virgule, commençait plus tard dans la nuit, point. Il courut, virgule, quêtant Vinca, virgule, comme il eut cherché, virgule, en dépassant l'ombre d'un mur, virgule, une terrasse lumineuse, point. Mais il ne la trouva ni dans le hall, virgule, où l'humidité ranimait l'odeur de boiserie vernie et de toile de chanvre, virgule, ni sur la terrasse, point. Une fumée de pluie impalpable encensait l'air et adhérait à la peau sans la mouiller, point. Une feuille de tremble, virgule, jaune, virgule, détachée, virgule, se balança un moment devant Philippe avec une grâce intentionnelle, virgule, puis chavira et tomba roide, virgule, accru soudain d'un poids invisible, point. Il tendit l'oreille, virgule, entendit dans la cuisine le bruit hivernal du charbon versé dans le fourneau, point. Dans une chambre, Lisette protesta d'une voix aiguë, virgule, puis pleura un moment, point final. Bravo à tous. Et merci d'avoir été là, fidèle à ce rendez-vous. À l'année prochaine, j'ose l'espérer, nous osons l'espérer dans de bien meilleures conditions. Voilà, j'ai fait la dictée avec vous. J'espère que ça vous a plu. Vous allez avoir le corrigé publié sur la page dans la demi-heure qui vient. Merci à l'équipe d'enregistrement, les opérateurs.
qui ont été particulièrement brillants. Et nous vous disons ensuite à l'année prochaine, ou alors vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, contacter l'une de nos associations. Vous avez les adresses mail qui sont indiquées donc sur le tableau qui est ici.